Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3, les guerres du Tibérium. Et on reprend, on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la campagne du GDI, à l'acte 4, et plus précisément en Allemagne. Suite à un problème dans une demi-vidéo, je dois refaire la mission de Stuttgart. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est cinématique, je les ai mis à part, donc vous les aurez, ne vous inquiétez pas. Mais nous allons refaire ensemble cette mission particulière. Utiliser un commando de GDI pour rassembler des hommes ayant survécu à l'assaut de Stuttgart, puis lancer une contre-attaque contre les envahisseurs. C'est remarquable. Vous avez mené une remarquable opération autour de Munich. Maintenant, essayez d'obtenir le même résultat à Stuttgart. Voici la situation. Nos forces sont piégées partout dans la ville. Elles sont vraiment mal barrées. Mais si vous parvenez à les sauver, elles vous aideront à reprendre la ville. Alors que les aliens contrôlent quasiment toute la ville de Stuttgart, transmission brouillée nous indique que certaines de nos forces y combattent ou s'y cachent encore. Un de nos commandos d'élite a réussi à survivre et a déjoué leur attaque. Utilisez le commando pour rassembler le maximum d'unités survivantes, puis utilisez vos forces pour détruire un base aliens qui domine la ville. Surveillez de près l'équipe d'ingénierie, qui peut à elle seule réactiver la base des élites de Stuttgart, ainsi que le réseau défensif de la ville. Puis vous aidez à terminer plus vite votre mission. Ici le lieutenant Fullerton, j'ai réussi à échapper aux patrouilles aliens pour l'instant. Ils ne m'ont pas encore repéré. Ok, j'ai des hommes éparpillés un peu partout dans la ville. Nous devons tous les rassembler pour avoir une chance de reprendre le contrôle des lieux. Nouvelle transmission. Les aliens semblent protéger cette structure non identifiée. Détruisez-la. Cette équipe d'ingénierie est assaillie par les désintégrateurs des aliens. Détruisez les désintégrateurs. Unité ennemie en vue. Ces exosoldats sont piégés par un vaisseau alien. Détruisez ce vaisseau. Bon, il y a 4 objectifs secondaires qui doivent se lancer. J'attends qu'ils se lancent, sinon les dialogues vont se superposer. Nouvel objectif bonus. Cette équipe de snipers d'élite est immobilisée par une patrouille alien. Détruisez la patrouille. Il y a quoi pour moi ? Plusieurs escadrons d'infanterie sont piégés dans un bâtiment abandonné, cerné par des aliens. Détruisez ces aliens. Voilà. Je suis là. Je connais le système. Donc, en premier, on va aller chercher son GDI Beta à votre service, chef. Alien ! Détruisez un triple alien. Regardez ces trucs. Commando. Je m'excuse de qui superpose, mais c'est un bug qui est... Allez. Le problème c'est que ça se lance lentement en fait les différentes dialogues. Voilà, j'ai attendu la même couleur, à peu mais près. C'est le même résultat. Butez-les. Chef, ces saloperies d'aliens nous ont piégés. Si on bouge, on est mort. Vous pouvez nous aider? Objectif de mission. Vous voyez quoi? Alien HS. Sniper en avant. Go, go, go. Merci chef. Récupérons le reste de nos troupes. Tripod a laissé une cosse. Un de nos ingénieurs devrait pouvoir la capturer. Équipé, armé, prêt à botter des culs, chef. Unité perdue. Il faut en descendre un. Chef, ces foutus aliens nous ont piégés. On est à l'abri pour l'instant, mais au moindre de nos tirs, ces saloperies vont appliquer et nous déchiqueter. Vous pouvez nous aider? Là, hop. C'est là qu'on voit l'utilité d'un commando en fait. On y est déjà. Maintenant on va récupérer ces troupes là. Ok. Chef, vous vous croyez mort? Venez reprendre ce qu'il reste de la ville. Alien HS, évacuation générale, go, 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 go! Commandant, ces aliens nous ont piégés, on demande de l'aide. Tenez bon, soldats! Par là, escadron balistique! Je sais pas pourquoi je récupère ce troupe-là, mais je l'ai récupéré. Ouais. Et on fait sauter le quatrième tripode. Je suis là! Maintenant, on va récupérer nos ingénieurs. On vous a différentes troupes éparpillées un peu partout en ville. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré ça parce que j'ai pas un champ visuel. Évacuation générale, go, 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 go. Merci, chef. Je voulais pas m'arrêter là. Vous devez prendre la centrale de l'Est pour réactiver la base abandonnée du GDI. C'est extrêmement important. Si vous perdez vos ingénieurs, c'est la fin. Ah, tu m'étonnes, j'aurais pu encore capturer la base.
Eh bien, allons-y. Cool. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis paré. Nouvel objectif bonus. Prenez la centrale du sud en réactivant le poste de commandement. Voilà. Et encore, mais on n'a pas encore tout. Il y a quoi pour moi? Ok. Au rapport. Nouvel objectif bonus. Réactivez cette armurerie et soignez votre infanterie. Voilà, voilà ce qui est possible. C'est ça. Ingénieur. Voilà, un tripode d'animation récupéré. J'ai tout ce qu'il me faut. Objectif rempli. Ingénieur au rapport. J'ai tout ce qu'il me faut. Ça y est, tout est prêt. Je peux faire marcher ce truc. C'est okay, vos plus puissantes armes que vous pourrez avoir, les tripodes d'animation dans cette mission. Donc récupérez-les, vraiment. Alors, ils sont où? C'est bon. Mon commandant. Eh bien, allons-y. Il y en a, je peux y arriver. Là-bas. Tout est prêt. Pour la question sur cela. Alors, ils sont où? Ingénieur au rapport. Yep. La base est fonctionnelle, chef. Juste soit, j'ai juste 500 000 d'énergie. En réparation. Pas besoin de plus, hein. Faut pas exagérer. Ouais. Alors faites rapidement deux ingénieurs pour récupérer. Unité GDI Beta à votre service, chef. Oui, chef. Enfin, les bâtiments là qui vont. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok. Je peux y arriver. Je vous conseille de mettre en priorité dans les tours, puis après envoyer les deux j'ai suivants. Tout ce qu'il me faut. Je trouverai une un ici et l'autre en bas. Il y a quoi pour moi? Au rapport. Là, ici, là, je cherche un nom, ici, moi. Ça, c'est parfait. Ça se répare. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, ici, j'ai récupéré une autre escouade à côté des dépôts. Ingénieur au rapport. J'ai tout ce qu'il me faut. Trouve supplémentaire, surtout ça, l'utilité. C'est bon par là? Bâtiment capturé. Et là, vous avez beaucoup de caisses de Govec éparpillées dans la ville. Essayez de grader vos tripodes. Je peux y arriver. Jusqu'au dernier Govec. Ici, en avoir 20 de short serait vraiment génial. Un gradé à fond. Predator de sortie. Ça c'est une caisse de mémoire, c'est une caisse de level ça. Predator de sortie. Sortir deux autres ingénieurs, bon, vous savez dire pourquoi. Là, c'est normalement une caisse de Glec. J'ai à peu près une bonne mémoire de où sont à peu près les caisses. Ça aide beaucoup. Ici, il y a une caisse de ressources pour ces intérêts. Vous pouvez faire un mortier, les améliorations de stratochasseurs et d'optimisation de capteurs n'étant disponibles que pour votre. Pour votre invasion, vu que vous n'avez pas de mission, serviront à rien. Pas compliqué que ça, ça sert à rien de dépenser des points dans quelque chose que vous n'aurez pas. Vos silos seront les deux. Dans notre ligne de mire, on te confirme. Predator de sortie. En réparation. Mince, c'est pas pris deux Glec. Faut vraiment que les deux soient vraiment très proches l'une de l'autre pour que ça marche, ça, que les deux prennent également en même temps. Division blindée. Et je vais pas mentir, c'est pas toujours facile. Predator de sortie. Et moi j'ai perdu mes ingénieurs. Unité ennemie en vue. J'ai tout ce qu'il me faut. Unité perdue. Voilà, deux de plus d'un degré. Le radar me donnera accès à une mini-carte. C'est vraiment là que ça me pose problème là pour l'instant. Nous sommes là, commandant. Voilà.
C'est ça qui me pose problème. Pour l'instant, on est bien. Maintenant, je sais où j'en suis. Sachez que je vais pas trop revenir sur les tripodes. Je reviendrai par la suite sur les tripodes. La négation. C'est vraiment une force assez bête. Seule chose à savoir, le tripode est une arme vraiment dangereuse. Celle qui vend de l'avatar hein, et du mammouth. Il a 3 lasers et peut être amélioré avec un générateur de champ de force qui rajoute en gros un peu plus de faire. Il y a un petit bug qui est remarqué dans cette mission. C'est un problème de visuel cette mission. Normalement il va y avoir une plus grande portée de vue. Je pense parce que je les ai récupérés et qu'à bas c'est pas les miens. Enfin, entre guillemets, c'est l'ancien, je pense que c'était l'ancien visuel qu'il avait. Ouais, pour t'être vu, plus grand. Entraînement. Sachez également que les désintégrateurs, quand vous les écrasez avec un véhicule, vu que ça explose, ça endommage beaucoup les véhicules. Hein. Donc, faites vraiment attention à ça. Balancez un peloton de char au nord. C'est bon. Je suis paré. Le tripode, les gars, on peut y aller. Enfin, dernière chose que je vais faire. Unité ennemie en vue. Entraînement. Escadron balistique. Pitbull prêt. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Je vais pour vous rencontrer des intégrateurs. On vous reçoit. Escadron balistique. VBT paré au combat. Escadron balistique. Oui, chef. Et ensuite, ça y est. VBT paré au combat. Merci. Soutien prêt. Au rapport. Escadron prêt. VBT paré au combat. Oh non. Approchez. J'ai perdu bêtement. Entraînement. VBT paré. Les conneries, ça arrive. Chef, j'ai leur code. Bouge planque. VBT paré au combat. On recharge, on recharge. Predator prêt. Ennemi ciblé. Toi, tu vas me prendre une caisse de soins, je sais qu'il y en a une ici. Zone confirmée. Division blindée. Allez-y, division blindée. VBT paré au combat. Eh bien, allons-y. Ça y est, tout est prêt. Soutien prêt. Unité. Compris. Je crois que je vais même faire un VBT supplémentaire pour moi. Escadron balistique. Escadron prêt. Tirez, tirez. Arme à portée de main. VBT paré au combat. Commandant ? Mon commandant ? Dans notre ligne de mire ! Chargé et paré ! Confirmé ! Bon, ça c'est bon. Et les VBT sont bons. Voilà. Commandant ? Bon, c'est vraiment une petite gymnastique, hein, mais bon, ouais, vous y habituerez. Donc, j'ai plus rien. Je vais améliorer après par contre l'infanterie, étant donné que nous aurons accès à toute notre infanterie. Excepté... Si, l'exosoldat, on devrait y avoir accès, je crois, de mémoire. J'ai un tour de mémoire. Là. On recharge, on recharge. Bon, pas grave, c'est un détail. Je suis prêt, chef. Pareil pour l'attaque. Ouais. Mis en vue. Confirmé. Content de vous voir, chef. On va casser de l'alien.
Alors, les deux A, je vais les mettre ici. Le groupe A, je vais le ramener ici. Nettoyer pour la garnison. Okay. Soutien prêt. Okay, bah, garnison en route. Transporteur, VBT, c'est quoi le plan? Ça y est, tout est prêt. Oui, c'est bon. Bâtiment capturé, en réparation. Option pour on améliore ça, ça et ça. Armurerie maintenant fonctionnelle. Nous pouvons soigner l'infanterie. Et ici, normalement, il doit y avoir deux caisses de vétérans de mémoire. Commandant? Et des aliens en moi! On commence l'évacuation aérienne! Go, 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 go! Merci, chef. Maintenant, on va aller leur poter le cul. Objectif bonus. Chef, j'ai leur code. BBT, pareil au combat. Chef, j'ai leur code. Non. Ah! C'est qui est... Je sais qu'il reste une caisse de vétérans. Alors, ils sont où? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez pas faire de. On est là. D'exosoldats, on a. Ah si! Bien faire des exosoldats. Putain, ça m'a mis le doute. Ce que là, tu m'évoquais pas. C'est ça! Good. D'ailleurs. Bien compris. Alors ils sont où? Voyons voir. Ici c'est une caisse de vétérans. Ici, encore. Escadron d'infanterie. Oui, on chef. Y va. On rapporte. On se concentre. Oui, chef. Structure sécurisée. Oui, chef. Lance missile au rapport. On le demande. Il y en est plein, les comme ça. Soutien prêt. Donc. Au rapport. Ça y est, tout est prêt. J'ai tout ce qu'il me faut. Comment grader ces unités gratuitement aussi, c'est... Ça y est, tout est prêt. VBT, c'est quoi le plan? Lui va aller ici. VBT en stand-by, ici. Commandant, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Et toi, tu vas être reconstitué. On bouge. Donc c'est juste parfait. Je fous mes tripodes au sud. Équipage du Predator. Au nord, j'ai de quoi leur maintenir. Négatif par ici, je le sens. Escadron prêt. Ouais, je vais dépasser ce groupe là ici, je vais bien. À votre service. Commandant. Entendez. Transporteur. On y va. Unité ennemie en vue. Division blindée. Et où? Merci. Mettons-nous au travail. Commandant. Je peux y arriver. L'émetteur sonique du Nord est opérationnel. Capturer et deux en même temps, par contre. Est de nouveau actif. C'est un conseil. Ces émissions soniques tranchent les aliens comme une lame dans du beurre. L'opération suit son cours. Il faut capturer deux en même temps pour une raison assez simple. C'est pour éviter que tous les ennemis concentrent leur puissance de feu sur un seul. Parce que le plus souvent, moi, ils attaquent massivement ici, au centre, et l'avantage, c'est que les deux A peuvent céder. Si jamais vous avez que la moitié qui est activée, ils peuvent facilement les déborder. Ils peuvent toujours, ça, ils peuvent se récolter, c'est toujours endroit où c'est le plus faible. L'endroit le plus fragile, exactement, c'est ici. C'est positif, mais ça devrait être fait. Predator, pareil au combat, allez-y, division blindée. Mes chars peuvent y aller, on n'a encore perdu aucun. Là, je t'ai oublié. On est prêt. DBT en stand-by, on arrive. Entre la zone de largage. Préparation au largage. J'ai paumé un transporteur, vous y croyez? Transporteur. Non, j'ai rien dit. Opération sous son division blindée fermée. Predator pareil au combat. À votre service. Commandant. Soutien prêt. Tout est prêt. Au rapport. À votre service. Voilà. Bâtiment capturé. Option pour nouvelle construction. Objectif. Alors, sachez que je sais pas si en détruisant vous avez ce texte-là, vu que j'ai jamais testé.
Donc je vous conseille de le capturer pour être sûr d'avoir le bulletin de renseignement de la mission et éviter de devoir recommencer juste pour le débloquer. Origine des aliens, lien avec Tacitus. Résultat d'enquête primaire sur Origine des Ambassadeurs, division recherche et développement. ATTN, je sais pas ce que ça signifie. Commandant, ça doit être l'attente du commandant. Attention, à l'attention du commandant, je pense, ça doit être. Bon, c'est pas grave. Origine des aliens, lien avec Tacitus. Les équipes scientifiques du GD regroupent toutes les transmissions de données et preuves physiques de la présence d'aliens depuis le début de l'invasion. L'analyse des données transmises par les aliens a montré l'existence d'un lien entre Tacitus Priaken et les envahisseurs. Les transmissions des envahisseurs que nous avons enregistrées semblent suivre le même cheminement que celui décrit dans Tacitus. Tout porte à croire que ce sont donc les Skrin, ou en tout cas une faction des Skrin, après des examens approfondis, il est clair que c'est fort d'invasion à différents psychiques et linguistiques indéniables avec l'espèce alien qui nous a apporté Tacitus. Peut-être qu'ils ont tissé des liens à distance ou qu'il existe une ramification commune à leur culture respective. L'une des transmissions a été décodée grâce à nos décrypteurs le plus évolués. Il en sort que le protagoniste alien s'adressait à une autre race alien qu'il connaissait déjà. Nous n'avons pas pu traduire les paroles de l'autre alien, mais le crypteur a reconnu les mots frère, ascension, ennemi et screen. Cela ajoute à notre confusion concernant un naturalisateur, puisque cela, on dit non droit point commun avec ceux que nous appelons les screens. Il ne s'agit sans doute pas de la race alien qui nous a porté Tacitus sur Terre, mais le rapprochement est inévitable. Si nous voyons juste, Tacitus devient notre atout militaire numéro 1. Nous devons à tout prix percer ce secret. Rapport éclair de renseignement du GDI, Dr. A. Bice, direction des recherches sur les extraterrestres. Alors, je vais juste prendre un peu de temps pour vous expliquer une chose. Le Tacitus, il faut savoir que dans la deuxième guerre de Tiberium, c'est-à-dire, pour ceux qui ont joué, c'est-à-dire, c'est le soleil du Tiberium, si je ne me trompe pas de nom. Quand il conquiert le soleil du Tiberium, de mémoire. Et l'hydre, je crois. Ça doit être un nom à peu près comme ça, il y en a eu deux dans la deuxième guerre de Tiberium. Il faut savoir que on va trouver un vaisseau extraterrestre sur Terre qui s'est écrasé. Et on va trouver une technologie dedans, enfin. C'est une sorte de sphère de données, on va dire. Et ça, Kane va appeler ça le Tacitus. Le Tacitus, c'est une technologie extraterrestre, tout simplement. Et suite à la deuxième guerre de Tiberium, le GDI va récupérer cette technologie en battant le nôtre. Le problème, c'est que personne. Plus ou moins. Kane, c'est plus ou moins de quoi parle le Tacitus. Il faut savoir que Tacitus, la grande majorité des personnes ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Le GDI n'a toujours pas réussi à le décrypter pour information. Notamment, vous pourrez le voir dans Commander Conquer 3 à Fureur de Kane, c'est-à-dire standalone de ce Commander Conquer là. Et on apprend énormément de choses par rapport au Tacitus. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que Tacitus est une matrice de données alien qui a été trouvée dans la deuxième guerre de Tiberium. Et que actuellement, c'était la seule trace des aliens sur Terre. Et que d'après le Tacitus, justement, les envahisseurs, ce sont les Skrins. Après, est-ce que le Tacitus c'était une partie 2, est-ce qu'ils ont évolué entre temps, on ne sait pas. De toute façon, ça, je vous laisse jouer au Command & Conquer 2. Pour essayer, enfin, Command & Conquer, les soleils du Tiberium et l'hydre solaire, je crois que c'est. Pour avoir plus d'informations sur le Tacitus, et notamment aussi Command & Conquer 3 à Fureur de Kane. Je reviendrai peut-être plus tard, si jamais il y a d'autres suppositions qui sont faites. Mais voilà, c'est une chose vraiment importante à savoir, c'est que Tacitus a vraiment une très grande importance, notamment dans Deuxième Guerre de Tiberium, et ça se prolonge justement dans la suite. Donc je vous laisserai découvrir vraiment quel est ce lien précisément. Enfin, la seule chose qu'on sait, c'est que Tacitus est une mise en gras. Voilà. Ok, données mises à jour. Mais bon, on va terminer cette mission. Il n'y a plus de forces aliens à Stuttgart. Bien joué, commandant. Donc la mission est vraiment rapide et pas compliquée du tout, comme vous avez vu. Bon, 18 minutes. Voilà, secourir, on a vu tous les objectifs secondaires. Je m'excuse du dialogue qui s'est superposé avec le tripode. Mais je suis obligé d'aller chercher un tripode pour qu'il soit en suga de mémoire. Donc, on revient à gagner avec le Tacitus. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je m'occuperai de rajouter les cinématiques si on a eu sur cette mission, mais je ne crois pas. En plus de ce qui s'est passé là. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.